Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, une vidéo pour vous montrer un peu le jardin ici, début juin. Donc ici, nous avons les haricots, haricots beurre. Ici, j'ai repiqué de la salade. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis un filet dessus. Parce que la première nuit que j'ai remis les salades, j'ai les chats qui sont venus retourner et j'en ai eu quelques-uns côté retourné. Donc là, j'ai mis un filet. On verra un peu ce que ça va donner. Ici, les deux lignes que vous voyez là, ce sont des radis et des navets. Ça commence à sortir, mais comme vous pouvez voir, la terre est très sèche. Donc ce soir, il va falloir bien arroser. Là-bas, les carottes, qui sont bon, moyennes, hein, elles ne sont pas super belles, mais voilà, elles poussent. Derrière, les navets et les haricots, également des haricots beurre. Donc vous voyez, ça va. Ici, le long, les choux. Chou-fleur, chou-fleur et chou de Milan. Derrière les choux, nous avons les salades. Et comme vous pouvez voir, elles sont super belles. Elles se portent vraiment bien, elles tournent. Elles deviennent vraiment très belles et elles attrapent un gros cœur. Regardez, c'est vraiment magnifique. On va bientôt pouvoir les manger. C'est superbe. Et ici, ben, les tomates, ça va, ça se porte bien. Elles sont pas encore énormes comme plantes, mais ça se porte bien. Bon voilà. Ici, on a le cerfeuil, deux lignes d'épinards ici, et ici quelques navets que non betteraves que j'ai mis vraiment pour faire pour combler la ligne. Voilà. Là, la roquette que nous avons mangée, et ici les céleris qui commencent à pousser légèrement. Mais je vais vous montrer dans la serre, ils sont un peu plus beaux. On se retrouve dans la serre. Et nous voici dans la serre. Donc comme vous pouvez voir, les plants de tomates ben, se portent bien aussi ici à l'intérieur. Hein. Et alors celui-ci, j'avais les feuilles qui devenaient très jaunes sur le dessus. C'est toujours jaune, mais par rapport au début, elles reprennent des couleurs. Donc c'était certainement bien un manque d'azote. J'ai mis de l'azote au pied, un truc azoté, là, et ça a l'air de porter ses fruits. Donc ici, voilà. J'ai déjà quelques petites tomates ici. Qui poussent, donc ce sont des grenailles. Donc j'ai quelques tomates là sur les grenailles. Les autres ben, sont en fleurs. Vous voyez, ça se porte là, hein. C'est bien. Les couleurs sont belles, les feuilles sont vraiment bien vertes. De l'autre côté, j'ai les piments poivrons. Ben, ça se développe tout doucement. J'ai quelques piments qui poussent là. Ici, vous pouvez voir, voilà du piment là-bas, du piment ici. Là-bas et là-bas du poivron. Donc vous voyez, ça va. Là derrière, ben, les concombres, les derniers qui me restent ont l'air de tenir le coup. Je n'ai plus d'attaque, donc ils tiennent le coup. Celui-ci c'est le plus beau. Vous voyez, il est beau. Et j'en ai encore un ici. Ce que j'ai fait aussi, c'est que ici j'en ai ressemé pour remplacer ceux qui ont été mangés par les taupins. Donc voilà, vous voyez. Ça a l'air de pousser. Maintenant, je vais un petit peu vous montrer le reste du jardin. Tous les jours, je fais un petit peu la météo. Et ça fait 19 jours qu'il n'a pas plu. On n'était pas content d'avoir beaucoup d'eau. Et maintenant, ben, il commence à, ça devient sec. Et ça fait 19 jours qu'il n'a pas plu. Donc voilà, nous allons passer dans la pelouse. Eh bien, nous voici dans la pelouse. Comme vous pouvez voir, les aromatiques ici. Et les quelques fleurs vont bien. Hein. Là, la ciboulette, vous voyez, elle est en fleurs. Là-bas, le persil, ça se porte bien. Ici, le rosier, ben, les roses commencent à s'ouvrir tout doucement. On voit les roses, là, hein, vous voyez, on commence à les voir s'ouvrir. Les dernières lisses. Ici, les œillets. Et alors ici, ben, les patates douces. Même si elles ont eu un coup de froid, à mon avis. Hein. Voilà, elles commencent à bien rejeter. Ici, ici, ça rejette. Ici également, vous voyez, elles rejettent. Donc, elles ont l'air d'être reprises. Les courgettes, ici, ben, ça se porte bien, vraiment, vraiment très bien. Vous voyez, elles deviennent très belles. Ici, j'ai un fruit qui commence à apparaître. À mon avis, il n'y a pas eu de fleurs femelles, donc il n'ira pas au bout. De fleurs mâles, donc il n'ira pas au bout. Comme celui-là également. Hein. Il n'y a pas eu de fleurs mâles, donc. Mais ça se développe. Voilà, ici également.
ici. Et ici, ce sont les potirons. Mais ils n'ont pas des belles couleurs. Donc, je vais leur rajouter de l'azote. Parce que vous voyez, ils sont en manque d'azote. Ils sont jaunes, ils ne sont pas beaux. Donc, voilà. Sur la terrasse, ben, tout se porte bien. Ici, j'ai des tomates cerises et red robin qui sont bien rouges. Il y en a pas mal ici qui sont très poussées, des fleurs. Ici également, ça se développe, des fleurs. D'ailleurs, comme ça vous voyez, sur la terrasse, là-bas au bout également, j'ai des fleurs qui viennent très bien ici. On voit ici des fleurs. Et voilà, ici, piment. Et ça se porte pas trop mal. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous montrer le jardin ici début juin. Ben on espère que le temps va continuer à être beau, peut-être quelques pluies la nuit, ça ferait du bien. Voilà, portez-vous bien, ce sera à la prochaine. Au revoir.